akaongele neno lako kwa muda kidogo ulibariki kwa ajili ya wenye kuhitaji kukamilika na mwenye atahitaji kuelewa roho wako wapate kutuelewesha jina la bwana wetu yesu kristo amen, amen. Mama kusoma neno la mungu 4146 Katseza. Katseza. timoteo ya kwanza ne, sita timoteo ya kwanza sura yake ya kia, ne, na aya yake ya 16 ikiwa sote tumepata na tusome katika jina yesu kristo bwana wetu ujiangalie mwenyewe na mafundisho yako dumu katika maneno haya Ma ana, kwa hivi, wa ue, nao ambao Amen. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. C'est vrai. Hein? Persévère dans ces choses, mmh. car en agissant ainsi, tu mmh. te sauves toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Alléluia. Béni soit ton nom, Père. Mm. Béni tes enfants que nous sont présents ici. Amen, amen. Bénis tous ceux qui l'écouteront à distance ou de près. Alléluia. Bénis ceux-là qui nous suivent en ligne. soit avec tous ceux-là qui souhaitent la perfection. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Wabariki, Shalom. 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 Amen. Papa, nous datoulionaons le temps que nous avons c'est sur des questions-réponses. Nous datoulionaons ni quoi agir il y a ma soi li na majibo. Il est impossible de répondre à toutes les questions. Hayo ezekane kuya jibu maswaliote. Ou de donner des détails jusqu'au petit détail. Aukupana ma elezo yafaa yo. mo dogonous tâcherons de donner des réponses sous forme de snthèse tutapita hidi kuleta majibu yanayofunga mambouste montrer ce que nous croyons ili tuonyeshe wazi yale tunayoaminice ue nous croyonssur cechoes namna tunayamini kuhusu yalesi aura le temps de donner es enseignementdans ledtailikiwamdutakuekoupa Nous les donnerons un autre jour. Mais les questions-réponses veut dire donner ce que vous pensez sur une chose. C'est différent de donner un enseignement. L'enseignement prend tout le temps sur un seul point. y a.

nous ne croyons pas. Pourquoi nous croyons, pourquoi nous ne croyons pas. Alors les petits détails sont des fois nécessaires pour des prédicateurs. Mais pour les croyants ordinaires, il a besoin de savoir est-ce que nous les croyons ou nous ne les croyons pas. Et je donne une remarque. Mon intervention ici ne vient pas dire à mal contre une quelconque église ou contre quelqu'un. Je ne cible personne, que ce soit ici ou en ligne ou là où mon audio arrivera. Je ne cible aucune église.

Yana Et que vous pensez que je me suis trompé, cherchez-moi pour me donner ce que vous croyez être vrai. Vous m'aurez aidé aussi. Mais ne me critiquez pas. Cherchez-moi, dites-moi, moi je crois ça, vous avez dit c'est contraire à ma foi. Garde ta foi si tu es sûr qu'elle te fera arriver. Mais moi aussi en tant que prédicateur, j'aurais difficile de ne pas dire ce que je crois dans l'église dans laquelle je suis responsable. Et dans notre église, devant les gens pour lesquels on me demandera des comptes. Tout simplement parce que je crains que quelqu'un m'interprète mal. Je suis responsable de ce que je crois être vrai. Le reste, c'est à prendre ou à laisser. C'est ce que moi je vais prêcher.

Je suis clair là-dessus. Les questions sur les septembre semaines de Daniel seront répondues un autre jour. Mais nous On dirons sur des, sur des questions sur des questions doctrinales. Les questions doctrinales, ce sont des questions qui divisent des églises. Qui sépare les gens. Watu. Il faut que les gens aillent de l'autre côté, les autres de l'autre côté. Et, Et c est c est ce que moi j'aimerais parler, parce que je sais que c'est là où se trouve un peu la vérité. Voilà ce que moi je voudrais parler ce matin. Alors. Je oui, vais partir à la première question. Est-ce que les chrétiens sont autorisés d'avoir plusieurs femmes Est-ce que la polygamie est autorisée par Dieu Ndowa ya wanawake wengi inaruhusiwa na Mungu? Est-ce que l'église peut baptiser un homme qui a deux femmes et lui donner la sainte scène? Je, kanisa laweza batiza mume ana anayeishi na wanawake wengi na kumpa meza ya Bwana? Et lui autoriser de continuer à vivre avec ses femmes? Na, kanisa limruhusu aendelee kuishi na wale wanawake wengi? Wala au se trouve la première question. Ni hapo ioswali la kuanzaceteestio e pose hilo swali limetolewao avoir ueprhension au dpart kuanza yabidi watu walielewe ilya la différence entre le polygame kunayo tofauti kati ya waume wenye kuwa na watu wengi e marie divorcé na mume aliyeoa akaachaari Aliyo endi pour se remarier. ali afukuza tena akaoa. Le polygame c'est celui qui vit avec plus de une femme. Anaishi na wanawake wengi ndio anaitwa polygame. C'est-à-dire, maana yake il a de kwamba aweza kuwa na wnyi. Le, 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 le mercredi, il passe dans l'autre nuit. Il a deux femmes avec lesquelles il vit. C'est ça la polygamie. Donc vous pouvez les chercher chez l'une des autres femmes. Et l'autre jour, il n'est pas là, l'autre jour, il est là. Il en a et il en garde et il en jouit. waweza mtafutia kwa mke mmoja unamkuta lakini ukienda kwa mke mwingine hautamkuta sababu ana wawili na anafurahi kuishi nao marie ndio une femme. lakini sasa kuna mume ambaye alioa mke elle. wakafikia kuachana naye nayeil marie in autre akaoa mwingine peut-être ils se sont aussi divorcés huenda wakaachana na huwa pili ou marié une troisième akaoa wa tatu ils aussi divorcés ou bien vous les trouvez avec une troisième naye wakaachana au namkuta na ule watatu tatu nous polygame huyu hata itwa polygame c'était marié ni Mtu alioa divorce akaachana remarié akaoa tena ni ne pas polygame yeye

Il y a toute une grande confusion dans nos églises aujourd'hui. On ne sait pas distinguer polygamie, mariage et divorce. Watu polygamy, na kuacha, na il y a des gens, a de gens watu... qui vont jusqu'à déclarer que même dans l'église de Frère Branham, il y avait des polygames. Faux, faux, faux. Il y a des gens qui vont jusqu'à déclarer que même dans l'église de il y des polygames. katika maskani yani kanisa ya Branham kulikuweko wale watu wanaoitwa wapoligamuongo uongo mtupu maana Branham. kuwawaliokuwa kanisani mwa ndugu walikuwa ni waume waliooa ces gens-là. ni kwa watu walewaliambiwai enendeni avec votre femme avec laquelle vous êtes. ishi na muke ambaye unaye mais ne sait pas la renvoyer aussi usi jaribu tena mfukuza c'est arre que brana mwaa di allez vivre avec cette femme mais ne la renvoie pas ni wale waliambiwa kwamba waishi na wake zao na wasiwafukuze c'était pas de polygame hawakuwa wa polygame il n'avait pas hawakukuweko okay sawa voilà ni hayo mena La polygamie, polygamie, si vous la regardez bien, au début il y avait Dieu créa l'homme et la femme. Il n'avait pas besoin de donner à Adam deux femmes. Il n'y avait pas de polygamie en Éden. Au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est ce que même Jésus avait répondu. Il avait dit qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Lorsque Dieu va exterminer le, le premier monde, il va faire entrer dans l'arche de Noé un homme et une femme. Aka katika safina ya Noah, mume na il avait besoin de dire pour que la terre puisse être rétablie et peuplée, que je donne à chaque homme plusieurs femmes, mais c'est Noé, sa femme, Ham, sa femme, Shem, sa femme et Japheth, sa femme. Quatre Pou hommes et quatre femmes. Point, très. Pas de polygamie large. Quand le Dieu a dit à Canahac que la première il est polygamie, combien de femmes ont Eh, noa wake wengi ili watu waongezeke lakini yeye kasema noa na mke wake hamu mke wake shamu na mke wake jafeti. moja na jafeti mke wake il avait droit de donner a chacun plusieurs femmes mungu katika ukubwa wake angekuwa na haki ya kupatia D'ailleurs, pour éliminer ce monde-là, c'est parce que la polygamie était entrée dans Genèse 6. Parce qu'il était dit que que quand la terre est devenue peuplée, le fils des hommes que les, filles de, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, ils en prirent celles qu'ils voudraient. Qu il Il qu il wanawake walikuwa warembo wakajitwalia hesabu ya wale polygamie fut parmi les élments pour lesquels dieu a détruit le monde par l'eau. poligamia ilikuwa moja ya sababu iliyoacha mungu

On lui pose la question est-ce qu'il est autorisé un homme de divorcer d'avec sa femme pour n'importe quel motif Jésus leur a dit cela est impossible. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Ce que Dieu a créé l'homme et la femme que deux deviendront une seule chair. Jésus n'a pas dit les trois. Il a dit les deux. Donc c'est toujours deux, pas trois. Nous avançons chez Paul. Lorsque Paul arrive, Paulo, Afikapo. Dans 1 Corinthiens, il dit que pour éviter l'impudicité, chaque homme est sa femme, mba, kila mume awe na mke chaque homme est sa femme, mais e chaque wake. femme est son homme. mke awe na mume wakepaul a montre que quand vous avez plusieurs ampt paulo alionyesha wazi ya kwamba ukiwa na wanawake wengi unaishi katika uzinzi e meala este se sasa swali ndiloiiee bra saccepte la polygami je mjumbe branham naye alikubali poligamia parceque dian yeah. eden arefuse maana mungu katika edende noé no Au temps de Jésus, non. Au temps de Paul, non. à notre temps, est-ce que c'est autorisé ou non? Sasa, kwa hu, wetu, rusiwa, au la. Vous allez revenir me dire, mais pourquoi Salomon avait beaucoup de femmes? Pourquoi wengi? David avait beaucoup de femmes? Ce n'était pas la volonté de Dieu. Kama mungu. Je vais te montrer un verset. Prenez le livre. E le livre ici, Deutéronome 17, 4. Il dit ceci. 17,17 17. Je commence au verset 14, mais je vais aller au 17e verset 7. Tu mets toi sur toi un roi qui choisira l'éternel ton Dieu. Et as dit,

Il, il uh -huh. Car l'Éternel vous a dit vous ne, vous ne retournerez plus par ce chemin là et maintenant il dit si. Kwamba Il n'est pas un grand nombre de femmes qu'il Kill Kill, kill. Ah. Na -wa -na -wa -wengi. Afin que son cœur ne se détourne point ili kwamba moyo wake usije ukageuke ki ne seface pas de grands ama dargent d'or na asijipatie pesa nyingi na avait plusieurs femmes, mais Dieu avait dit que le roi n'ait pas un grand nombre de femmes. Afin que son cœur ne se détourne point. Et c'est arrivé, premier roi 11 et 4, à l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes l'inclinaient et inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fit point tout entier à l'Éternel. Son, son Dieu moumou. comme l'avait été le cœur de David son père. Donc même les femmes de David, de Salomon, lui ont conduit à, à s'incliner devant Dieu. Ces femmes là. Manake. Wale alijipatia, wale wake mbele Donc, Dieu avait interdit au roi d'avoir plusieurs femmes. Même dans l'Ancien Testament, Hata Dieu avait donné même la loi sur si la polygamie. Mungu kwa poly polygamia. Il avait dit que si quelqu'un prenait une deuxième femme, esclave ou pas si prend une notre femme il ne retranchera rien pour la première à la nourriture, au vêtement et au droit conjugal et si il ne fait pas pour elle ces trois choses elle pourra sortir sans rien payer, sans donner de l'argent et s'il ne fait pas pour elle ces trois choses elle pourra sortir sans rien payer, sans donner de l'argent Kumulipa chochote. Ndio. <-touchon> je pose la question. Et ça, ça mimi ni oubliez. Est-ce qu'il est possible d'être juste avec ça? Mtu anaweza kuwa na haki akiwa na maisha haya. Ration ration, ce doit être égal. On poche kwa muke huyu yabidi ile poche lipane na ile kwa mume. Tu père super super. Uki nuno lia huyu super, yabidi na kwa mwingine awena na super. Coc 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 Ukileta jiogo kwa huyu, peleka na jogo kwa yule mwingine. Sans rien Bila kupungua lolote. C'était dans l'Ancien Testament. Ilikuwa ni mwagano wa kale. Les égaliser. Uwasawanishe. Et puis, kisha attention. Mufanye hapo. trouve le problème. Kwenye shida hiyo. Na kama la droit de te voir dans sa maison pendant sept jours. Quand tu parti tu as retranché. Hivi sasa muke ana haki ya kukuona nyumbani kwake siku zote za Juma. Unapotoka unaenda, haone kwamba unamkosea. Ki permena la justice unakosa haki kwaol vadire jai droit sept jour tineperiertrance maana mke atasimama na kusema nina haki kua na wewe siku zote sasa hauwezi nipunguzia hata siku mojaesceue vosmekutez sasa mnasikia vizuridonc si nous devons prendre la verité kwamba tukitwa kweli

Mais même lorsque quelqu'un avait plusieurs femmes c'est l'enfant de, de, de la première femme qui devait vérité mwagano wengi ni mzaliwa wa kwa mke wa kwanza ambaye angeweza kuwa mulizi kipu avoir quatre? mais le jour de l'héritage c'est l'enfant de la première femme qui doit l'hériter prenez Deutéronome 21.15 écrivez ce verset allez le lire à la maison et je vais vous dire que c'est parmi les choses qui font la différence entre notre église et la plupart des églises ici parce que la plupart de nos églises baptisent des hommes et il y a des femmes

Na kama kuna watoto wa bibi wa kwanza ambaye hapendi na kama ana watoto ana mtoto wa kwanza aokwe kukutaniwa ule mtoto wa kwanza ni wabiri mwenye hapendake. Uh -huh. D'abord parce que pour marier une deuxième femme vous devez avoir haï la première. Kwanza mume kufikia kwa wa pili ni wakati mfikia wa kwanza. Tu ne peux pas aimer une femme pour lui amener une deuxième. Hawezi oh. penda mke kisha umuletee kwa wa pili. Jamais. Haïkouake. Amener la deuxième, c'est parce qu'avec la première, ça ne marche pas. Alors la Bible continue, tu restes là. Il ne pourra point quand il partagera son bien entre ses fils. Maliake. Il ne pourra point quand il partagera son bien entre ses fils. Reconnaître comme premier-né les fils de celle qu'il aime. Hata, tambua. Mwana wa yule ana uh -huh. À la place du fils de celle qu'il n'aime pas et qui est le premier fils. Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas et lui donnera son bien, une portion double. Mm. Car ce fils est le prémice de sa vigueur, le droit de naissance lui appartient. Ah, voilà. atatambuaka yule mtoto wake wa bibi yake wa kwanza Dio. na natampatiaka sehemu zake mbili sababu nj mtoto wa ujana wake na haki ya uzaliwa wa kwanza ni yake même si hapendake mama yake Dieu avait commencé d'encadrer la hommes étaient difficiles hamuone kwamba watu wali eh, mungu mungu alikuwa na kataza

Que chaque homme ait sa femme. Maintenant, vous partez prendre deux. Est-ce que vous avez respecté la loi de Dieu? Et ça, c'est dans le Nouveau Testament aussi. Alors, bibliquement, je viens de l'expliquer. Mais laissez-moi aller maintenant dans les messages pour que. Pour que les gens ne disent pas, mais eh, maintenant pourquoi vous les assemblez, vous acceptez watu, kusema, sasa, kwa nini watu wa ujumbe, muna Moi je n'accepte pas ça. Mimi, si Moi je n'accepte pas ça. Mimi, si Et Branham n'accepte pas ça. Na L'assemblée qui acceptera ça va être jugée à son tour. kila kanisa litakalokubali poligamia litasambaka kwa nafasi yake mo jemarranggefare unajua mimi nina, je la bible ninahubiri pore meme les gens qui ne croient pas au message detecte que nous parlons de la bible ili kwamba hata wenye hawaamini ujumbe wa Abraham, wa wahakikishwa kwamba tunayohubiri ni bibilia Et puis j'amène les citations que celui qui croit au message se positionne par rapport au message de son temps. Alors je prends le livre qu'on appelle le surnaturel. Le surnaturel prêché le 29 janvier 56. Il y au paragraphe 47, quoi? L'autre jour, on parlait de la polygamie à quelqu'un. mtu frère Branham parlait avec quelqu'un au sujet de la polygamie. Ma, on a à la première heure, c'est L'autre jour, en parlant de la polygamie à quelqu'un. J'ai dit que la nation dans l'ensemble serait meilleure si elle pratiquait la polygamie. polygamie Mais nous sommes la nation où le taux de divorce est le plus élevé du monde. <muchempe> on se marie et on pratique le mariage mixte. On <muchempe> se marie et on pratique le mariage mixte. <muchempe> Parce que nous cherchons à mener les hommes du monde de l'extérieur à s'accorder avec la doctrine chrétienne.

poligamie serait meilleur pour lui ingekoa heri kwake poligamie poligamie ingekuwa mzuri kumutu mwenye anaishi sawa nguruwe voilà écoutez moi bien mon ici si qui est mzuri bra naam jike la polygamie serait meilleur pour celui qui pour un kochon moi je be anaeleza kwamba poligamia ingekuwa nzuri kwa mwenye kuishi maisha nguruwe Maintenant, ça ça. Rappelez-vous. Il continue d'abord il dit, vous ne pouvez pas croire ça. Il est en train de comparer d'abord la polygamie et le mariage et, 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 et le divorce. Il condamne les deux. Mais là, il, a de, il a essayé de montrer que entre le divorce et la polygamie, la polygamie serait mieux, mais elle aussi, elle est pour les cochons. kwa unataliki na poligamia lakini anasema kwamba nayo maisha ya nguruwe nayo hata ingeweza kuwa nzuri nayo ni maisha ya nguruwe vous ne pouvez pas croire ça hamupaswi amini Me hiyo mais Dieu considérer la poligamie et pardonner beaucoup plus rapidement cela qui ne le pourrait Mungu angelielewa sana poligamia kidogo na angeisamehe ingekuwa ya kusamehewa uh -huh. mentena sasa rappelez-vous n'allez pas dire que je crois la polygamie non

Jésus a dit, il l'a fait à cause de la dureté de votre cœur. Mais il n'en était pas ainsi au commencement. Il n'en sera jamais ainsi. Dieu l'a fait à cause de la dureté de leur cœur. Mais dans les pays où l'on pratique la polygamie, les tribunaux de divorce tournent au ralenti.

Lakini yenyewe ninaongelea tay déjà qui sont censés être des chrétiens et qui font donc cela ni watu wanao jita. wanao zaniwa kwa kristo na wanafanya zile zambi. si un en cochever enfoncer son groin dans un tas de fumée et il mangeait toute la journée c'est son travail kama ngurua inaweza ingiza kinywa chake mumu chafu en fait, c'est un cochon pour commencer. Mais l'agneau ne fait pas cela. Alléluia. Voilà. Retenez bien ça. Je n'injurie personne. Je n'attaque aucune église. Mais ma responsabilité, c'est de ne pas être jugé parce que je me suis tu sachant la vérité. haitakuwa kwamba nilinyamanza na ninajua kwelia kwa hiyo, la bronchi, la 70e de daniel, katika mafundisho lile juma la makumi la daniel 210 kwa mtaji wa mia mbili na kumi niliweza iandika kwa, her, kwa herufi kubwa le la katika nchi kwenye kuna mille fois mieux Il est en train de montrer par rapport au divorce les deux choses que j'ai mis là-bas. Et pourtant, la polygamie c'est mal, nous le savons. Et pourtant, la polygamie c'est mal, nous le savons. Et pourtant, la polygamie c'est mal, nous le savons.

Tu a Comment il pouvait avoir la polygamie dans son église et appeler ça mal et laisser ces gens? Hein? Mm -hmm. Ok. Sawa. on est là. Le signal est rouge de sa venue. Paragraphe 67. 67. Ça a été prêché le 23 juillet 63. 23 juin. Remarquez, la Bible dit que les hommes buvaient et mangeaient. Eh bien, cela est légitime. Le mariage est honorable. No, oh, oh, assurez kwe... le mariage est honorable Un homme qui épouse une femme hein? Cela est honorable C'est Dieu qui a institué cela ni mungu Mais Quand un homme en arri... oh, Mais quand on arrive au point où Un homme va prendre la femme d'un autre kwenye mume atatwa mke wa mtu mwingine u va prendre ni jeune file au aenda kamtwaye binti msika Ou une femme, mm -hmm. que, peu importe qui elle est, qui lui brise son feu de mariage et fait quelque chose de faux, c'est un péché aux yeux de Dieu. C'est quoi Un péché Zambi aux yeux de Dieu. Je ne sais pas s'il si y a un mot que vous avez remarqué. Moi, Patrick, je suis marié. Mimi, si Patrick la Si je prends la ronde tu ronde a qui femme d'un autre, ou qui une jeune fille. Donc, c'est quelqu'un qui est marié. Qui ne prend pas la femme de quelqu'un. Mais qui prend une jeune fille pour ajouter à sa première femme. La Binti kwa kwa oh, une femme, peu importe qui elle est, oh, c'est déjà un péché aux yeux de Dieu. Ha, zambi oh, tu vois, moi en tout cas, j'avais pris ma deuxième femme, elle était vierge, je m'en fous. Oh, qui qu'elle soit, mme 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 wangu, a, wangu, a, wangu. qui qu'elle soit, peu importe qui elle est, Yoka bien.

Alors le messager d'Ita de la fin. Wa itua, wa Page 17 et 33. Uh -huh. mm. Là. Il dit. Huh. Vous pasteur. N'avez-vous pas honte. Jé, Ramuna, haya de laisser des hommes. être des de femmes. Entre des hommes et des femmes, entre des diacres ou et quelques autres que ce soit, ce n'est plus maintenant les serviteurs. Hai, hussi, et quelques autres que ce soit, Ayo, zuru, awe, nani. alors qu'ils ont deux ou trois femmes vivantes n'avez-vous na -na pas honte de ces choses, vous pasteurs qui acceptent comme membre de votre église, ces gens qui vivent d'adultère et fument des cigarettes. Et vous ne mentionnez jamais ces choses du haut de la chair. Honte à vous, j'ai pris pour vous. Est-ce qu'il pouvait attaquer les pasteurs comme ça alors que lui-même en a? je nabi angelishambulia wachungaji kama wale naye ana wapoligame kanisani honte à lui. naye hiyo neno ingalimurudulia wezi ambia watu aseme haya kwenu peke enye uko nazomea huko mwavi ndio Okay? sawa Donc, retenons une chose, je ne pourrais pas faire trop de versets et trop de citations, Aumitadjo. ce serait quelque chose que je vais ajouter seulement, ici, Hapa. écoutez, Frère Brenham dit ceci, un homme qui vit avec sa femme, c'est une chose absolument correcte, kueli kabisa ni jambo nzuri mai en prendre telakini kutwa mwengine ce le meme acte ni lillile tend oerverti lakini ililo geuzwa e ce lamor na hiyo yaleta mauti ni mauti ndioaèelaie Moja inaleta uzima. L'autre la Ingine inaleta mauti. C'est ainsi tout ce que Satan peut faire c'est de prendre ce que Dieu a fait et le pervertir. Kazi yenye shetana anaweza ni kukamata yenye Mungu alishafanya anaigeuza. Donc quand vous avez votre femme ici. Si. Kwamba wakati una mke wako hapa. X. Aitwaye fulani. Vous avez une autre femme ici si, Y. Uwe na mwingine mke aitwaye fulani. L'acte que vous commettez avec X tendo unafanya na huyu est le même acte huyuces ile una tendo unafanya na lakini hili tendo c'est la vie ni uzima c'est la mort. tendo la kwa mwengine ni mauti C'est le même acte, c'est le même lit, ça n'a pas de différence. Avec votre femme légitime, c'est la vie. Lakin, wako, uzima, avec cette deuxième de la polygamie, c'est la mort. Huyu, wapili, Alors comment vous vous amenez quelqu'un que vous savez qu'il est dans une situation de mort, ça, ça. vous l'amenez vous le gardez Vous vous que vous vous l'amenez vous le gardez. Vous allez me dire, où est-ce que Dieu maintenant permet de, de la renvoyer? Ça, Mais Abraham a fait ça? Abraham a Abraham a fait ça? Abraham Sarah viril le fils d'Agar. Sorry? Sarah viril le fils d'Agar et l'Égyptienne avait enfanté Abraham. Sarah, akaona Mwana, Wagara Kitcheka. Et elle dit à Abraham, Abraham, chasse cette servante et son fils, na car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Mana, na cette parole est de plus fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Hili neno, Abraham, Mais Dieu dit à Abraham, Abraham, que cela ne te déplace pas, à tes yeux. accorde l'enfant de ta servante, accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Timiza, Timizia, Sarah yote atakayo kuomba. Sikia. Amina. Ngoani biseme mu Kiswahili. Okay. Leo kama bwana aliwa mwanamke wa pili. Ndio. Kisha bana sema vyenye unapenda njoo vyenye Mungu anapenda. Unaweza mwambia ba mubakiane. Simuniangalie huku. <laughs> Tuko muneno la Mungu. Ndio hiyo Tuko muneno la Mungu. Mtasamba na mimi nitasamba. Ndio hiyo ndio. Tu es marié ici. Unaolewa hapa. Tu mari de prendre une deuxième femme. Bwana yako amekamata mke wa pili. Si on te demande qu'est-ce que tu fais, tu vas dire quoi? Ungeulizwa ewe mwanamke wataka nini? Combien de sœurs qui peuvent dire qu'on la garde? wadada wangapi wanaweza sema kwamba ule dire la garde. combien de qui kipeuven dire qu'on la renvoie? wangapi wanaweza sema ule bibi wa pili afukuzwe basi ni bongo ni bunafiki basi kweli ya moyo jubanamuleta ni kukulumisha roho Ndiyo. Alors ceci est arrivé chez Abraham, ça doit être aujourd'hui aussi pour l'église Sarah a dit à son monsieur Sarah Abraham. Pardon, chasse cette femme et son enfant Abraham avait aimé trop sa femme La Bible dit que cela lui a de plus fort

sababu ya mtoto na maorde asara tut cekuletedemandera sara yote atakayo kuomba si ieu a akorde asara ce quel a demande ikiwa mungu alitimiziaka sara yenye alimuomba omainalakorderei pa ausi au fame actuel kisoufre dans la polygami namna gani anga alitimizia wanawake wanaotesekea mupoligamia eomete mari mume anakuoa ili tabandone anakuata anapotea

Wana wawili wanyumba moja, wajama moja. Parce que, Sababu, il ne voulait pas que cela crée la jalousie. Mungu kwamba, il, oui, vous. il avait dit, Ali, quoi, alisema, ici, hapa, tu ne prendras pas la soeur de ta femme. Pour exciter une rivalité. Il est te bumbanda, en découvrant sa nudité à cause de ta femme pendant sa vie. Ou sababu ya mke wako maisha yake yote walawi kumi na 18. si dieu avai refusé petite sœur alors que vous venez dune mme notre fille est née de notre père kama mungu alikuwa alikatazaka kwamba mume asiowe wadada wawili wa nyumba moya itakuwaje sasa kama hata angelileta mwanamke wa nje kusudi awe mbanda yake mwenye habazaliwe mutumbu mmoja mungu kama mwanamke wa pile atanipeticere yako chuki itakua. na hasira uhum. na jaluzie itakuwa sasa kifula wafasi sa vie. Anasema usilamushe wivu mu maisha yake yote. Donc Dieu savait que la deuxième femme apporte la jalousie. Mungu alijuaka kwamba bibi wa pili si analeta wivu hata kama ni dada yako mloko yako. Mais, mais est-ce que c'est faux? Sasa haiko kweli? J'ai fait une enquête. Nilifanya uchunguzi. Même les femmes qui sont dans la polygamie dans ces églises nous disent nous supportons si parce que mais on n'est pas contente pasteur. Mchungaji alifanya utafiti kwamba hata wale wake wa pili wanaokubaliwa makanisani wanasema tunanyemelea hivyo sababu wanavifundisha lakini tunaumia mioyoni napa ka hatuna la kufanya hommes qui ome kiano hata wale waume ambao wana wake wengi wanawake wengiiinodie defois mara wanatwambiaka nehehe pas a musiku wake nabo kama sisi tunateseka <laughs>

Que je ne pourrais pas lire. Je fais d'abord une pause. Moi je, moi, moi je vais m'arrêter là parce que c'est une question-réponse. Je vais aller à l'autre question. Puisque si j'ai prêché, tu crées une question, tu me la poseras, j'y répondrai. Et un chrétien ne peut pas être. Un polygame ne peut pas réussir à plaire Dieu en vivant.

ne continue pas à défendre une chose qui n'est pas bonne. J'insiste bien. Parce que quand le messager se tiendra debout pour défendre son message, tous les pasteurs vont se taire. C'est lui le seul garant. Et faites attention quand nous lisons les citations. Ce n'est plus Pasteur Patrick qui le dit. Il ne fait que répéter. Les gens confondent des fois le prédicateur et celui qui a mené la citation. mujumbe faut pas confondre haifai kuchanganya mambo quand je dis des choses que je lis et que c'est différent de ta volonté garde silence tu dis il ne fait que lire wakati ninapo leta kitu ambacho nilisoma nyamanza usiseme vibaya kwa yenye haujui prions le seigneur kwa hiyo tuombe mungu mes filles wa binti nous pas Musi pime me garçon n'osez pas, moi c'est Pimen. Mes parents, n'osez pas, moi musipime Pimen. Prédicateur, n'osez pas, moi La polygamie c'est mal. Polygamie à N'Imbaia. Mariage mixte c'est mal. Nous sommes chargés de N'Imbaia. Dieu puissant, mon notre Sauveur, mon wetu nous avons parlé à Ton nom. Kwa Parce que nous avons lu ta Bible Maana tume soma biblia et yako. nous avons apporté le message. J'ai pris que toi, le véritable enseignant, na wewe que tu rentres avec chacun pour lui faire comprendre la réalité. Na kumu Je suis humain. Ils sont humains. Nous passons. Ta parole est demain. le monde par ta parole. Je ne veux pas qu'aucun de ceux qui sont présents ici soit jugé par la parole qui a été prêchée aujourd'hui pendant qu'il ou qu'elle était présent ou Qu'il leur accorde la capacité. De prendre position pour la parole, Et même si elle peut être contraire à ce qu'il sait. Bénis-les, que nos requêtes soient répondues, que les malades soient guéris, que les problèmes soient résolus, accordez-nous la grâce de la perfection au nom de Jésus-Christ. Courbons la tête, Une chanson de. wimbo wa kutafakari kwenye vyombo vya mziki ndugu kuja ukamalizekatika dakika kumi na tano tutakuwa nje bwana yesu kristo e mungu mungu wa kweli wa uzima wa milele kabisa tunabariki na tunashukuru lako. Jina jina lakuamene laku. kwa sababu niliku.